Aha! J'ai donc trouvé l'endroit où on est censé se faire attaquer par le mec de la table ronde. C'était tout bête en fait, c'est juste un endroit où on n'est pas allé. Donc on va combattre. Apparemment il est extrêmement dur. Honnêtement ça m'étonnerait, mais on va voir ça. On va voir ça. Attaque sautée. Arc runique. Oh, il est là. Ok. Putain, ça me fait peur. Oh, putain, j'aurais dû le voir. Ah, me fais pas tomber et me tue pas, s'il te plaît. Ah, c'est lui! C'est lui qui fait ça, du coup! Putain de jumpscare de la... avec la putain de main, quoi, c'est ouf! Donc, ça serait lui qui fait ça, le coprophage, là. Ça. On va voir un peu. Sortez de la géole. Just to be sure that when they're reborn, they'll be cursed, along with their children, and their children's children, for all time to come. I will kill again, just to be sure they'll be cursed. Ok. Faut le tuer ou... Just to be sure he'll be good. Un coprophage, vas-y ramène ta fraise. Ok, tu fais très très mal. Et tu me brûles aussi. Et je brûle toujours apparemment. Je peux arrêter de brûler ou... Le feu, arrête-toi. Ok, donc le coprophage, on l'a trouvé. J'avoue que j'étais assez surpris là, le coup de mec qui se tape et tout sur le crâne contre le mur et tout. Après, je me dis que si on le laisse, si on lui ouvre la porte.
Ah, j'étais assez surpris de son animation, comme quoi le mec se tapait le crâne contre le mur. Assez intéressant. Et j'imagine que si on l'avait laissé sortir, il commencerait à tuer les... Peut-être les NPC. J'imagine. Alors, épée de Milos, accumulation de saignement. Espadon sinistre, taillé dans l'échine d'un géant. Les épines de chaque côté de la lame ont été effilées pour infliger des blessures similaires à celles d'une scie asymétrique. Milos était un géant de taille moindre, ses pairs le considéraient comme impur et terriblement grotesque. Vous poussez un atroce cri maudit qui réduit la résistance à tout de... Ah, c'est ça, à tous les dégâts et aux altérations des ennemis proches. Tant que cette épée est active, vos attaques puissantes sont converties en enchaînement d'attaques. Ah, c'est pour ça qu'il est super dangereux en fait, ce mec. C'est à cause de ça. Oh, elle est dégueulasse l'épée. Ah, oh, c'est sympa, il y a une petite course. Ouais, ça change le R2. C'est un enchaînement du coup. Bof. Après, je sais pas quoi en penser en fait de l'arme, honnêtement. Je sais vraiment pas quoi en penser. Faut pas grand chose en fait pour la tenir, ce qui est bien. Après, elle est immonde, elle est vraiment dégueulasse. Mais. Cri de Milos, ouais, ça peut être intéressant. Genre là on est à quoi? À 364. Ok, ça l'enlève directement. Non, on l'a mis en troisième main droite, donc 172. Là on a 179, parce qu'on la tient à deux mains. On monte à 196 en dégâts. Mais après, si ça baisse les défenses des gens, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On va regarder l'équipement qui a l'air vraiment dégueulasse aussi. Ah, ok, c'est un truc ultra lourd, 23. Le troisième plus lourd qu'on ait. Armure difforme évoquant un réprouvé à qui on aurait coupé les cornes. Ah oui, d'accord, quelque chose que c'est. Porté par le coprophage, le lourd médaillon en forme de soleil représente à la fois la vision qu'il eut un jour et la voie du cercle vers laquelle celle-ci est censée le guider. C'est dégueulasse. L'âme d'un réprouvé un corps, peut-on concevoir plus cruelle existence? Dès lors, quelle importance si la malédiction gagne le monde entier? Ah, c'est un pendentif en fait, d'accord. Ah, on voit les yeux. Genre, il y a l'ouverture pour la vue. C'est marrant. Mouais, bof, 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 bof. Bof, bof, bof. On va changer un peu d'armure. Voilà. Hop. Ok, on va peut-être pas mettre ça alors. Ça va, ça va, ça va. Ah, c'est 18, oui, j'avais pas vu que c'était 18.
Qu'est-ce qu'on met? Je dois en fait un peu changer d'armure juste pour le kiff. Ah, on va mettre celle de Lorette. Lorette là. Comment elle s'appelle? Chevalier royal. Loretta. Lorette, pareil. On va remettre ça. Chevalier royal, voilà. Maintenant, on va revenir à table ronde et voir ce qui se passe. Donc on a arrêté sa tuerie. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Rien du tout. C'est dégueulasse. J'imagine que ça c'est son corps. Enfin j'en sais rien en fait. On va aller parler à notre copine là, qui s'occupe des esprits. On va voir ce qu'elle dit maintenant. Greetings. Are you here for spirit? Ah, ok. Bon bah. Rien du tout. Well, I took you for dead. No matter, lay out your arm. Je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup de la monter et de la tester, pourquoi pas. Normalement, on peut pas lui mettre. Oui, on peut pas lui changer. Moi, je dis pourquoi pas. On l'a mis en plus 5 ou en plus 6. Des fois, j'arrive pas à me rendre compte en fait de ce qu'on a fait. On l'a en plus 5. On peut aller en plus 5 ou en plus 6, nous. Je vais aller voir. Parce que j'avoue que le cri, il est impressionnant en fait. Là, on peut aller jusqu'à plus 4, ok, d'accord. C'est pour ça qu'il ne m'en restait pas beaucoup de pierres. Oupsie. Oupsie, c'est pas grave. Charge moyenne, 243. C'est dex, c'est force. Elle fait du saignement, ça marche. Ben voilà. Il n'y a plus grand chose à faire avec sa petite quête à lui. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'il allait se passer quelque chose. J'imagine que si vraiment on le tue pas, il peut-être qu'il tue les gens ici. Moi j'ai pensé à ça. Donc faudrait savoir en fait ce qui se passe. Faudrait savoir. Est-ce qu'on peut modifier son armure? Non, on peut pas. Oh, on peut voir ça. C'est ça, je l'ai pas vu sans le manteau. Ça peut être stylé ça. Ah, sans le manteau, c'est classe. Hein. Par contre, c'est grave léger, quoi, ça le problème. Ah, voilà. Sans le manteau, c'est classe. Désolé, je prends juste un petit moment. Et après on arrête. Enfin après on continue nos aventures. Il y a une façon d'activer ce manteau ou pas? Parce que sur l'icône on dirait que... Enfin c'est montré que c'est noir. En fait. Quoique non, c'est peut-être transparent. J'en sais rien en fait. Enfin bref, on va y aller. On va maintenant faire notre petite excursion là-dessus. Avec la tour bizarre là.
la salle d'études de Caria. Nous sommes repartis ici. Donc on va voir un peu ce que ça donne, cet endroit. Ah, je pense pas que ça va être très très long, mais... Putain de merde. Saloperie, quoi. Attends, qu'est-ce que t'es en train de... Quoi? Pourquoi t'absorbes les... Les PC? What? Cette épée, elle absorbe les PC? Mais y a... Ça le dit nulle part. J'ai les épines, l'homme a été effilé, infligé des blessures similaires à celles d'une scie asymétrique. Milité est un géant de taille moindre, le père considéré comme un pur de nain grotesque. J'ai l'icône quand j'ai l'épée de, d'absorption des PC. Genre, comme ce que j'ai avec. Avec ça en fait. Mais il n'y a personne qui le dit de ça. On va regarder combien de 7 PC. Donc là, on est à 100 sur 118. C'est 5 PC. C'est même mieux. C'est même mieux. C'est ouf. Genre si je mets ça et j'enlève l'épée. Parce que normalement, c'est 3, je crois. Vous voyez? On est à 108. De 105, on passe à 108. Donc c'est 3. L'épée, elle absorbe 5 PC. C'est ouf. Ouh, ça va devenir une super amime, cette épée. Merde, qu'est-ce qu'on avait mis? Je sais plus. On a qu'à mettre ça. Voilà, en défense, on est remonté à 32. Bon, on a ça, c'est con. Par contre, on n'a pas d'équilibre. Mais bon, on va. Enfin, c'est juste pour s'amuser de toute façon. Là, c'est, ça n'a pas l'air d'être très très. Très très difficile ici. Enfin, en tout cas, les ennemis n'ont pas l'air d'être trop trop vénères. Putain, mais j'y crois pas quoi. L'épée, il y a ça et. Personne qui en parle quoi, apparemment. Après, les dégâts ont pas l'air foufou, je crois. Quoi? Qu'est-ce que je viens de faire, putain? Vas-y, on va tester ça. Quand ils ont l'effet des flammes, ça veut dire que leur défense est baissée, j'ai remarqué. Ouais, les dégâts sont pas énormes pour l'instant. Après, ça fait stylé, hein. Surtout avec notre habit, là. On est à 320 de dégâts. 320. Pour comparer, bon, notre espadon favori, on est à 482, hein. Voilà. Après, pour un truc genre le marteau, par exemple. Marteau. Ah oui, mais... Pff, oui, on peut pas le porter. Enfin, faudrait que je le mette. Pour le mettre à deux mains et pour qu'on voit. J'ai pas envie. Putain de mur à la con, quoi. Ah mon dieu, vous me faites chier, là.
Désolé. Ah, le fait de pas avoir de d'équilibre, hein, moi ça me trigger en fait. Désolé, mais ça va m'énerver en fait. Par contre, je voudrais bien avoir ça, cette armure en complet. L'armure de Zamor, elle est encore plus légère. Ça va m'énerver le fait de pas avoir de. Non, ça c'est moche. Putain, je sais pas quoi mettre, ça m'énerve. On peut faire le méchant. Ah tiens, vu qu'il y a des ronces partout, je me demande si ça fait des dégâts aux ennemis quand on fait des roulades sur eux. Je suis curieux. C'est pour ça aussi qu'on voyait des gens à l'envers ici. Vous vous rappelez? Là, ça fait des bons endroits en fait pour marcher. Mais où est-ce qu'on doit aller? Ah, on doit activer l'ascenseur au centre, du coup. J'imagine. Et après, on remet le truc à l'endroit. Et comme ça, l'ascenseur sera fonctionnel. J'imagine que c'est ça. Oh, la caméra, pourquoi tu tournes? Pas la tête. La tête. Putain de caméra de merde! Désolé, ça c'est parce qu'il y a un objet en fait derrière moi et la caméra elle bouge. Automatiquement. Faire que marcher quand je tourne comme ça là. Parce que je fais pas du tout confiance à la caméra. Ok, c'est bien. Là. On est bon aussi. Ok. Ok, donc maintenant... Enfin, je comprends pas trop ce qu'on est en train de faire là, mais... Là, on est tout en haut de la tour en fait. Bon, à l'envers, mais on est là tout en haut de la tour. On va pas pouvoir ouvrir quand... Ah si. Ok. Ah non, peut-être pas. Non. Ah si. Étrange. Donc on a une nouvelle tour, mais on n'a pas de rune à activer. On a combien en équilibre? Désolé, je suis chiant avec ça. 43, c'est pas beaucoup. Donc on a... Eh merde. Merde.
Oh putain, à travers le... Sa mère. Vraiment fun. Capuche du noble, robe du noble, bracelet. Ah, sans nos trucs à nous, hein, c'est un peu la merde. Hein. Mais bon, sans nos, notre attirail, j'ai envie de dire. Des fragments de ruines partout, c'est étrange. Des pierres de sanctuaire. Tour divine de Lurnia. Ouais, mais... n'a pas de marque. N'a pas de rune. Renforce l'incantation noble présence. Ah, mais c'est dégueulasse, dessus il y a des yeux et tout. On va assimiler une physiologie non humaine. En ce sens, ce ne sont pas si différents du creuset, forme primordiale de l'arbre monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Marque maudite de mort. Oh! Oh! On aurait la marque de mort! Et on a un accessoire aussi. C'est cool. On a intelligence. On a l'intelligence plus 5, ça c'est bien ça. Alors, marque maudite de mort, marque maudite gravée dans la chair abandonnée de Rani, princesse de la lune. Créée dans la chair abandonnée de Rani, la sorcière. Cette plaie en forme de demi-roue est souvent comparée à la silhouette d'un centipède. Cette marque maudite fut gravée à l'instant où périt le premier demi-dieu et aurait dû avoir la forme d'un cercle. Or, deux demi-dieux succombèrent en même temps et la marque maudite fut scindée. Rani vit sa chair mourir tandis que le prince de la mort ne connut qu'un trépas spirituel. D'accord. Eh ben c'est bien. On va retourner à la table ronde, on va voir un peu s'ils ont quelque chose à dire. Donc on a la marque de la mort maintenant. Ok, tout le monde s'en branle, c'est bien.
Peut-être notre copain. Médaillon Sega sont réunis. I see you've laid your hands on the other secret medallion. I'm glad to see my counsel has borne fruit. But the honor of the deed is yours alone. You've made more of yourself than Ensha has. Now, more importantly, both secret medallions are in your hands. I suppose you'd like to know then. What awaits you on the path ahead? Me too, my friend. Me too. I wait with bated breath. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Utilisation du milieu secret. Ah, so the secret medallions led you to the land of the Halig Tree. Ouais. I'd expect to find Melania there. She who fought Radahn to a standstill. Ooh. Well, if the Scarlet Rot hasn't eaten her away completely. But with the Halig Tree as it is, I suppose Mikola must already be. Ah. My apologies. De quoi tu parles? Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. As promised, your reward. A secret rite, known only to me. Ah. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Flamme noire protectrice. Ouh. J'aime beaucoup lui, Sir Gideon. J'aime énormément. Encore une fois, je répète, hein, le fait de que lui il sache les choses en fait du monde et tout ça, nous on sait pas en gros. Nous on débarque en tant que joueur et personnage. Donc il nous aide et tout ça, et nous on va faire les aventures et tout, et on revient et il nous aide encore plus. Enfin voilà, c'est cool. Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? Ah oui. Fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty, while he turns our fellow tarnished into bloody fingers. Let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. But perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe. Ah, my apologies. Hmm. Donc on a deux. On a deux demi-dieux en fait. Mal de faveur 3. There are four more, Nicola, of his twin, Melania. Donc il y a Melania. Ça on l'a tué, c'est fini. Le Seigneur du Sang aussi on la rend. Hein. On sait où il est maintenant. Ça marche, merci beaucoup. Alors, fais voir un peu. Favor 3. Favor 3. Branche envoûtante. What? Oh, yes! Ah, c'est cool ça. Et il nous a donné quoi d'autre? Ah oui, une magie. Alors, la flamme protectrice. Alors, manifeste le pouvoir de la flamme noire au sein du lanceur, augmente sa résistance aux dégâts physiques, mais réduit l'efficacité des fioles sacrées. Les apôtres furent étreintes par la reine en noir, faisant de la flamme noire leur bouclier. Ouh, c'est intéressant ça. Augmente la résistance aux dégâts physiques. Oh. Putain, c'est 30, on peut même pas tester, parce qu'en nous on peut monter jusqu'à 25. On peut prendre la marque de... truc. Ah putain. Allez, aïe aïe aïe, j'aime pas faire ça. Rune majeure de Godric. Alors, du coup, on a... Alors, le palais.
C'est Godwin, c'est ça le nom? Là on a Elphael, donc ça serait celle qui a combattu, ou alors c'est l'inverse peut-être, qui est le rival de Radahn, c'est ça? C'est ce qu'il avait dit? Et après, on a le mec du sang, là, le seigneur du sang qui serait là. De ce que j'ai compris. Bah, j'en sais rien, moi. On n'a qu'à continuer ici et voir ce que ça nous donne. Hein. Pourquoi pas. Je sais pas, on est un touriste. Alors... on va tester notre flamme là. C'est intéressant. Parce que si c'est bien, autant avoir x30. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais j'ai pas activé la rune. Voilà. Alors, fais voir un peu. On a 35 physique. Ça stack avec ça? Non. Ok, ça c'est moins puissant. Et là du coup ça a enlevé le debuff du... de la fiole. Faut... alors attendez, on va prendre une petite... seconde. On va prendre chronomètre. On va voir combien de temps ça dure ce buff de la flamme noire. Je vais attendre que ça parte celui-là. Normalement celui-là, ça c'est quoi? C'est 1 minute ou 30 secondes? 1 minute je crois. On fait des tests hein. On est là pour tester hein. Sacré. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, on est 35. Hop. Prêt, chronomètre, let's go. Merde. Je pense que ça doit être 1 minute, parce que c'est un peu pété. De 35, on passe à 57. 57, c'est même pas les armures lourdes en fait, on y arrive. On va voir combien de temps ça dure. Je pense que ça va durer 1 minute. Je vais garder ça à côté devant moi. Ah, on y va. Pas très mal hein, cette épée par contre. Je l'aime bien parce qu'elle absorbe en fait. Mais c'est vrai que... ah, on arrive à 1 minute. 58 secondes, 59. Ok, ça a dépassé les 1 minute. On a toujours le buff. Et après si on met ça... ah, ça s'est arrêté. Ouais, c'est 1 minute 10 à peu près.
Bah merde, il est pas mort. On est à 118 de PC. ...126 maintenant. C'est pas mal. C'est intéressant. Il faudrait un médaillon. Je sais pas si ça existe. J'imagine que oui. Médaillon pour faire durer plus longtemps les buffs. Non, si ça existe dans ce dans celui-là de jeu. On va rentrer. Il y a des cocons qui pendent. J'aime vraiment pas l'épée. Hein. J'aime vraiment pas l'épée. Ah! Ok, je pense que la suite c'est là. On va le tuer lui d'abord. Ça en fait des effets bleus. Hein. Grand carreau de foudre. On descend ou on monte? On va monter parce que ça a l'air d'être un lieu secret en fait de monter. Je suis assez surpris par le type de magie différente qu'on a. Honnêtement, je vais avouer que je suis assez surpris à chaque fois. On va se remettre en creuset parce que le problème en fait c'est que... Alors déjà c'est des soldats qui font mal de 1. De 2, c'est surtout qu'ils peuvent se buffer pour les anti-morts là. Anti-non-morts, enfin nous quoi. Ah. Épée de chevalier de Michaela. Il y a autre chose ou pas? Non. Après le debuff là de notre épée. Oh merde. Oh putain, il va faire des tirs. Ah, oh, fait chier, on est bloqué là. On est bloqué là avec lui. Attendez, on va se... Oh, je peux pas me mettre là. On va se mettre derrière. Parce que je voudrais voir un peu l'épée qu'on a eue. Alors dis-moi que c'est un truc cool. C'est une épée droite, donc c'est une petite épée.
Épée forgée par les serviteurs de Michaela de l'arbre ancien, semblable aux armes des chevaliers de Caria, mais à la place de pierres d'éclat, ce sont des gouttes d'ambre de l'arbre sacré qui décorent sa lame. Un ouvrage somptueux qui n'est pour autant la possession d'aucun chevalier demeure maître. L'âme sacrée, nommée l'arme de puissance sacrée et projetée une lame dorée, imprégnée de l'arme sacrée pour une courte durée. Elle est très 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 jolie. Elle est très stylée. Elle ressemble à l'épée de Dante dans Devil May Cry, genre le... à la store. Non. Non, la... merde, putain, l'épée de Sparda, en fait. Le... Mais la version normale, pas la version... Quand il met les deux médaillons dedans, vous voyez ce que je veux dire? Genre la Force Edge, c'est ça? La garde, là. Elle est très large, en fait. Bah, elle fait pareil. Ça fait vraiment ça. Alors, comment ça marche? Ok. Il est parti. Et on peut enchaîner les coups ou pas? Non, on peut pas. Non, 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 stop. Ok. Ah merde, pas ça. Je préfère encore me taper le gros truc. Enfin. Peut-être pas en fait. On va voir. Sauter. Tu me fais chier toi d'être là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, tu me parais bien relou là. De la merde les dégâts. Oh! Pendant un moment en fait t'es faible aux dégâts, c'est ça? Je crois qu'une fois qu'on l'a contré, il devient faible en fait. Alors on a des chevaliers là-dedans. Oh, on a plein de chevaliers là-dedans. Ça va être l'heure des flèches de poison.